s'adresse à toute personne qui va accueillir lors de visites de lieux ou de musées une personne déficiente visuelle. Donc, ça peut être un guide, un animateur, aussi du personnel accueillant, du garde, sécurité, etc. Au milieu de vous, devant vous, il y a donc un tombeau en bronze. La particularité, c'est que maintenant, on l'a fait en partie au musée et pendant 3 jours avec un guide qui vient aussi donner la formation en tant que formateur. Le guide, il apporte ses connaissances, puisqu'il connaît évidemment les objets de son musée, etc. Et puis après, il apporte vraiment son expérience de terrain, puisque généralement, le guide qui fait la formation, c'est un guide qui a vraiment l'habitude de travailler avec le public déficient visuel. Et donc, il va expliquer vraiment comment il adapte le discours, comment il a recours aux autres sens, ce qui est judicieux ou ce qui l'est moins. Alors, les participants sont mis essentiellement en situation de déficience visuelle. On trouvait que c'était important de leur faire vivre les choses plutôt que de leur donner une théorie toute faite sur la déficience visuelle. Pour moi, c'est vraiment toujours une réflexion sur ma pratique de guide. Vraiment, aussi bien la formation que les visites guidées adaptées. Ça me permet de me poser, d'adapter des œuvres et de me dire, ben voilà, ça fonctionne, ça fonctionne moins bien. Ça fait plus ou moins 10 ans qu'on travaille avec les Amis des Aveugles. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est déjà que les guides sont formés. Donc, dans notre équipe, il y a plus ou moins 4 guides qui sont formés. Et alors aussi, on a sensibilisé le personnel d'accueil et de surveillance à la déficience visuelle, mais aux autres types de handicap de façon plus générale.